Parce que ça c'est quoi? Ça c'est comment? Ton double de basse. Et vous faites comment vous jouez comment? Des fois, le tar sort d'un solo tout seul, il revient au rythme. L'autre aussi, moi aussi, tu vois, c'est des choses comme ça. Mais aussi, le même, c'est-à-dire la chanson, elle demande des rythmes. Je vais vous faire écouter la sonorité juste de. Je n'ai pas le droit de chat avant le paiement. Ziad Ghalsa qui joue avec le. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon, il joue avec 4 cordes. Et Céline Fergani. Elle joue en un lutte algérien. C'est pas comme celui-là, mais. D'accord. Pour l'occidental, c'est une danse. D'accord. Seulement, la hache, vous pouvez jouer les notes. Voilà, taxi. Do, mi, fa, sol, do, si, do, re. Il y a des notes. Mais pour l'occidental, ça c'est mi. Et ça c'est la. Vous pouvez jouer un peu plus. Et alors, au niveau du chant, vous chantez tous? Oui, ensemble, oui. Tous ensemble. C'est l'origine andalou. D'accord. Oui, et c'est d'origine andalou. Ça vient de d'Andalousie. D'Andalousie, exactement. D'accord. Et il y a un leader au niveau du chant? Oui, le leader, c'est... Et c'est toujours un derboukiste, le leader? Non, 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 ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, on a de... C'est-à-dire de la capacité de chanter. De chanter, exactement. Il y a des fois des gens qui jouent de la derbouka qui ne chantent pas. Oui, c'est le maestro. Le maestro. Oui, tous des maestros. Tous des maestros. Ils se complètent. D'accord. Et à la base, c'est une musique qui vient d'Espagne. Oui, de l'Andalou. Andalou. C'est aussi de la salle d'Espagne. Parfait. C'est vie.